À l'origine, l'usine Vio était dans le Vieux-Montréal. Ils ont décidé de s'installer sur leur propre terre en 1906. Ils ont arrêté d'exploiter l'usine en 2003, juste avant que l'usine soit laissée à l'abandon, ni plus ni moins, pendant quelques années avant d'être transformée en loft. Moi, je pense que c'est important d'être rattaché à l'environnement où on habite. Pour moi, de rapatrier des objets qui ont été fabriqués ici, ben ça donne une signification, ça donne un sentiment d'appartenance que j'aurais pas ailleurs. D'avoir des plafonds de 13 pieds et plus, d'avoir des murs de briques d'origine, d'avoir des colonnes, ça se recrée pas. Ben, je suis devenu un expert par défaut parce que j'ai commencé à collectionner tout ce qui était Vio. Pourquoi pas meubler mon environnement avec des objets qui viennent d'ici. Je pense que d'habiter dans un bâtiment historique, c'est pas une mode. Quand on a un endroit qui a de l'histoire, qui a du vécu, il y a toujours quelqu'un qui va être intéressé d'y habiter.